Salut tout le monde, c'est Fonzie qui vous fait son comeback. Ouais, le Fonz en personne. Hey, cool les filles. L'équipe de Cult Fiction m'a demandé de vous guider tout au long de cette première émission. Je leur ai dit, Fonzie est pas à vendre. Mais je veux bien vous faire une dérogation si on suit texto le code de conduite Fonzarelli. Et puis j'ai des copains bien rock'n'roll qui pourront vous raconter quelques histoires de culte qui devraient vous décoiffer la banane. Je vais donc commencer par vous présenter mon pote Philippe Manœuvre, l'ancien proprio du club Le Sex Machine. On tracera ensuite vers les fêlés du culte avant de retrouver dans mon box privé chez Arnold une poupée cyber Lara Croft. Plutôt bien outillée la petite. Waouh. Dans la foulée, on ira voir Hubert Selby de Brooklyn, un mec respectable qui aurait pu être mon cousin. Il a la subtilité des Fonzarelli. Puis, de retour à Paris, chez les sculpteurs de super-héros, Bombix Atticus. Et comme je le dis souvent, il faut pas énerver la chose. Après, on ira poser quelques questions à Dark Vador, voir comment il a vécu sa période blouson noir. Si j'ai encore le temps, je passerai voir Hatch l'épicier. À défaut d'un nouveau perfecto, il se pourrait qu'il me refourgue de l'objet culte. Et puis, pour faire frissonner les minettes, je vous ai préparé une surprise à base d'aliens. Enfin, je vous expliquerai pourquoi le King... On se calme, les filles. Je disais donc pourquoi le King n'a jamais joué de ce côté de l'Atlantique. Au fait, les filles, vous faites quoi après l'émission? J'ai une place de libre sur ma bécane. Et n'oubliez pas, comme le dit toujours Richie, Fonzie sait de quoi il parle. Wow.